je fais pas beaucoup de confiance. Ah bah c'est sympa. J'espère que le Marocain. Salam le monde, c'est vrai pas possible et le padre est toujours là, déjà au volant les frères, puisque on part évidemment pour le, on va dire l'ultime match, hein, Maroc-Égypte les gars, pour la troisième place. Et on est voilà, on part direction Nantes. On a à peu près 5 heures de route. Là actuellement il va être 7 heures. On a un peu de route, on s'est dit on va y aller tôt quand même, parce qu'entre les bouchons évidemment nous on passe par Paris, donc voilà, on s'est dit aller le plus tôt possible, et histoire de bien profiter encore de ce dernier match, des supporters, etc. Donc voilà, on va essayer de profiter à fond. Padre, il est confiant pour ce match, la médaille de bronze, on va le faire. Ouais, parce que là, après la médaille qu'on a eue hier aux 3000 mètres steep de Bakali, merci. Au moins, on a quoi qu'il arrive une médaille, les gars. Mais ça serait bien d'avoir une autre médaille. Surtout que cette médaille là pour le foot, on compte aussi beaucoup là dessus, c'était l'objectif principal. Donc on verra Inch'Allah. Surtout pour ce dernier vlog les gars, je veux que ça partage en masse, tu connais. Bref, on se retrouve tout de suite au stade de la Beaujoire. Olé. Bon les gars, là je pense que vous le voyez pas le stade, il est caché par les arbres. Mais on est bien arrivé, il est midi et demi, on a roulé tranquillement, on est bien arrivé, voilà, avec le padré. Bref, pour l'instant, évidemment, le match est à 17h, donc pour l'instant, on est large, tranquille, on va marcher un peu, on va voir ce qu'il y a un peu de bien à Nantes, les personnes de la commune. Un parking gratuit. Déjà, donc, ça c'est très important. Ça fait bien. Ça c'est très, voilà, très important. Ils ont cassé tous les le machines, truc pour payer, tout ouais. Ça, pour donc payer, en fait, tu ça, peux ça, pas payer. C'est bon, donc c'est impeccable. C'est je crois qu'ils l'ont fait exprès pour exactement, nous, pour ce match-là, je crois. Hein. C'est ça. Donc, voilà, on est bien stationné, donc c'est bien impeccable. Donc on est au top. Donc voilà, on va peut-être se poser quelque part, je sais pas, boire, manger, bref, on verra. On verra ce qui va s'en suivre. Bon, papa, ton pronostic pour ce Maroc-Égypte, ouais, tu sais, comment tu vois ce tournoi-là, il m'a dit, franchement, je ne sais même pas, je ne peux rien dire, franchement. Ah ouais? Je le jure, 50-50. On a appris, que Al-Azouzi était blessé, forfait. Voilà. C'est aussi, pour moi, l'Égypte, ce n'est pas une facile équipe, ça, c'est depuis des milliers d'années, toujours avec l'Égypte. C'est notre bête noire un peu. Même sans voilà. On a gagné la CAN depuis 23 contre eux. Mais... toujours l'Égypte, ils sont là pour moi. 50-50, moi je te dis la vérité, je peux rien dire. Hein. Moi si je dois dire, moi je vais rester fidèle à mon prono. Hein. 3-2, hein. 3-2, prolongation, match de fou, match tendu. Et on met pour une fois, on met un but dans les dernières minutes. Je rêverais de ça. Mais ça reste d'être dur en tout cas, ça reste d'être dur. C'est pas facile, hein. Moi aussi j'aime qu'il gagne, mais franchement, je fais pas beaucoup de confiance. Bah c'est sympa que le Marocain, c'est ça. Inch'Allah. Et en plus là, c'est ce qu'on disait juste avant que je lance la vidéo. Les gars, il fait très chaud en vrai. Là, très le soleil chaud, tape et il n'y a pas d'ombre sur la pelouse. Il n'y a pas d'ombre. Ah oui. Donc je pense ça, déjà, c'est un climat qui va être bon pour l'Égypte et pas pour le Maroc. Mais bon, on verra évidemment ce que ça va donner. On verra.
faculté. N'hésite pas à laisser tirer. Ah, ça y est, c'est bon. Fini. Terminé. Fini. Déchirure. Ah, merci. Whoa!
Oh oui. Oh non. Ah, bien laissé. Mais l'action. Oh, dommage. Ouais. Bien joué. Oui, oui. Allez. Lindon. Regarde, regardez, je vais. Oh, ah, oh tiens. Ça va? C'est quoi? Regarde, on va niquer la vidéo de Chronique de la classe. Ah, il est là, Chronique. On va aller niquer sa vidéo. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Je suis dans le débrief du numéro 1. Bon, les frérots, je suis avec le numéro 1. C'est le numéro 1 bis. Là, il y a le numéro 1 tout court. Le numéro 1. Frérot, c'est incroyable ce qui s'est passé. On n'a pas fait de déplacement pour rien, frère. Non. Mais on est d'accord. Je sais plus, c'est quel coup de jonc. Exceptionnel. C'est quel tournant, c'est ça. Ça fait plaisir. Il y a une squatteuse. Quel plaisir. C'est pour Chronique de l'Atlas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Franchement, je suis hyper fière de mon pays. On a bien pleuré, ma mère est éliminée. Moi, j'ai versé ma petite. Non, c'est vrai, j'ai pas pleuré. Tu mens. Parce qu'aujourd'hui, les gens. Voilà, tu mens, frère. Parce que. Voilà, on est trop bien, quoi. Voilà, le Sarah, il est marocain. Tous les rageux diront qu'il est pas marocain. Voilà. Et à la chaîne, il est à Pagnon. Ma célébration. Exactement. Voilà, rien d'autre. Merci. Chronique de l'Atlas. Ok, et ça sort quand la vidéo? Je sais pas, Chronique, elle sort quand la vidéo? Elle sort quand la vidéo? Chronique. Non, c'est il a une chaîne YouTube, regarde. Tape Chronique de l'Atlas. Il a 119 000 abonnés. C'est une star. C'est une star. Numéro 1, c'est lui. Le numéro 1, c'est lui. Et c'est quoi l'autre? Atlas quoi? Oh, il y a le manque de respect, elle a dit Atlas quoi? C'est Chronique de l'Atlas. Eh, bientôt, il va critiquer tes matchs, tu vas voir. Ben, quand tu vas jouer avec les féminines, tu vois. Commenter mes matchs. Je vais même pas les regarder. Ok, bah, aïe, aïe, aïe. Oh!
Richard, normal, normal. Ils ont embrassé sa tête je ne sais combien de fois. Voilà. Incroyable. Waouh, ouais. On sent que le Boog est fatigué. Il est 3h30. Waouh, incroyable. Je suis... Putain, les gars. Heureusement que cet arc JO 2024 se conclut maintenant. Ouais, les gars, on va conclure évidemment ces JO 2024. Franchement, que d'émotions. Que d'émotions, les gars. Ça a été une expérience de ouf d'avoir vécu tous ces matchs. D'avoir suivi tous ces matchs, tout simplement. Même si, évidemment, on avait fait une petite impasse, une légère impasse à Marseille, évidemment, avec cette élimination, en plus, contre l'Espagne. On va dire que c'est parce qu'on n'était pas là. Voilà, c'est parce qu'on n'était pas là. J'avais pas... Depuis, les gars, vous savez que depuis que j'ai cette tenue attitrée, celle-là, là, regardez. Tac, avec les chaussettes, frère. Les frères, j'ai les chaussettes. J'ai une souplesse incroyable. Et bah vraiment, cette tenue-là, c'est ma tenue porte-bonheur. C'est-à-dire que quand le Maroc va jouer en France, dans n'importe quel stade, déjà, j'y serai et je serai dans cette tenue. Et même, j'irai même plus lorsqu'on jouera la CAN au Maroc, Inch'Allah, et que, bon, j'essaierai d'être là, évidemment, je porterai la même tenue pour porter bonheur, les frères. Je vous jure, cette tenue-là, elle est... Bref, les gars, merci, c'était incroyable, entre les différentes rencontres avec vous, évidemment, directement, avec aussi plein de supporters marocains. C'était une expérience de fou, incroyable, on a kiffé, en plus de ça, avec une très très bonne et belle conclusion, avec ce beau 6-0, évidemment. Mais bref, en tout cas, merci les frérots, merci beaucoup pour vos retours, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, comme d'habitude, et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, réagissez en commentaire, c'est pour le référencement, donnez-moi vos tops, vos flops, si vous avez kiffé ces vlogs. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a quand même aussi d'autres vlogs qui arrivent, hein. Il y a le deuxième et troisième épisode de Un Rebeu au Maroc, les gars. Allez checker, ceux qui n'ont pas vu le premier épisode aussi, allez checker. Je me fais de l'auto-pub, ça fait plaisir. Bref, c'est un qui est pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout les frérots, Tima Marleb. Allez Hakimi. Fais-moi plaisir, nous allons aller. Oh, oh, oh.